Manzalo, c'est parti, l'arbitre, allez, allez, le coup de sifflet allez. Et le ballon derrière pour les Autrichiens avec un long dégagement de la part de Grilich qui est allé chercher là-bas à l'opposé la possibilité de s'appuyer sur Grigorich et le premier ballon a été mis directement en touche. Et la touche sera pour Poch. C'est revenu dans les pieds des Français avec Rabiot, avec Dembélé maintenant. Dembélé qui va fixer, qui accélère face à Séval et le bon geste défensif d'Embélé pour récupérer le ballon. Sabitzer, attention avec le repli, Dembélé qui la récupère, tout heureux de récupérer ce ballon. Faut s'appliquer pour centrer ce ballon dans la surface de réparation où se trouve Griezmann. Mbappé côté droit, Mbappé qui va tenter de dribbler, de centrer. Son camp, le but de Weber contre son camp sur le débordement de Kylian Mbappé qui est allé chercher la tête de Griezmann. Le ballon est venu au premier poteau. Weber a regardé Griezmann, n'a pas regardé le ballon et il a fini par la mettre au fond de ses propres filets. L'équipe de France est toute heureuse d'ouvrir la marque avec ce but de Weber contre son camp. Arthur Perrault, les joueurs de l'équipe de France tous en cercle, les médias qui est au pied de sa cage, tourné vers les supporters en train de les applaudir. C'est l'explosion, ils sont tous debout en train d'agiter leur drapeau et de chanter, c'est la fête. Centre instantané, la tête défensive s'est bien fait de la part de Saliba. Le ballon contrôlé par Rabiot dans l'espace avec Mbappé. Mbappé qui va passer face à... Mbappé qui l'a récupéré, il a fait la différence. Et Mbappé qui va... Il l'a mis à côté. Kylian, c'est pas possible. Il est tout seul et c'est juste devant moi. Il préfère en sourire. Hein. Kylian Mbappé qui s'est retourné vers le banc de touche et n'y croit pas. Il fait non de la tête. Théo Hernandez qui va récupérer le ballon. Théo Hernandez qui va fixer, qui va la lâcher à gauche pour Kylian Mbappé qui lui redonne le ballon. Il y a de l'espace, il y a le décalage qui est fait. Il faut aller provoquer le centre. Il est trop court. Griezmann, c'est pas fini. Dembélé qui va la récupérer avec la frappe en retrait. Koundé, elle est trop écrasée. La frappe de Koundé, c'est pas possible ce genre de situation après Dembélé avec Griezmann qui passe au travers et avec Koundé qui frappe comme un poussin et derrière c'est dégagé par les Autrichiens. La récupération de balle, l'Irlandaise, attention à la prise de risque avec Lemer, Arnautovic, Lemer, le décalage, pas de galère à la sortie de Meignan. Où il a pris les pieds dans le visage. Et tout le banc est debout. Hein. Oh, il a pris les pieds au niveau de l'épaule. Attention au geste de l'arbitre qui a très rapidement d'ailleurs demandé au staff médical de venir. Et Deschamps est furieux. On a un peu d'autres cris en même temps là, Jeannot, qu'est-ce qui s'est passé précisément? Là en profondeur et avec le duel, les deux pieds en avant sur la sortie de Meignan sur Baumgartner qui restait au sol avec le décalage qui était impeccable de la part de Lemer. Oui, il ne stoppe pas sa course mais c'est difficile, cela dit, pour l'Autrichien de la stopper parce qu'il veut frapper le ballon et il lui met bien le coup de pied dans le visage dans la fin de l'action. On peut pas dire que c'est un geste volontaire. Non, c'est pas volontaire, c'est pas possible. Mais bravo Meignan, hein. La récupération de balle dans l'espace avec Colomoni qui va accélérer, il est passé face à Trauner, la passe en retrait. Il dévisse. C'est pas possible. Olivier Giroud, habituellement, ça va au fond des filets. Et là, sur son pied d'appui, la fameuse jambe gauche dont il touchait l'ischio tout à l'heure, c'était pas vraiment très solide. Et derrière la frappe du droit, il la dévisse complètement. Oh, il avait la balle du break, il avait la balle du soulagement, il avait la balle du 2-0. Mais là, pour l'instant, les Autrichiens qui continuent, ils sont encore en vie. Attention, le décalage avec Poch qui la récupère dans la surface de réparation. Poch qui va essayer de centrer. Le bon retour de Fofana, c'est bien fait. Faut dégager devant Fofana. Vers Danseau, dans la moitié de terrain des Autrichiens, 97e minute. Il reste deux minutes encore à tenir pour voir l'équipe de France s'imposer dans ce match. Attention à la faute de Fofana, on laisse l'avantage sur Vimer. Le côté droit maintenant, le centre de Poch. Penalty, la récupération, la tête, Arnautovic, il n'y croit pas. Oh, c'est touché par Saliba. Il y aura corner sur cette remise de la tête de la part de Prass. Il va peut-être le faire. Et on entend les supporters, hein, c'est dans le micro d'Arthur Perrault, là juste en dessous de la tribune. C'est fini. Et c'est terminé. Il n'a pas attendu que Meignan récupère le ballon. L'arbitre siffle à la fin du match. L'équipe de France passe par un petit trou de souris en s'imposant 1-0 avec le but de Weber à la 38e minute contre son camp.